Ah, franchement, moi aussi, quand je suis venue, je m'attendais pas à ce que j'ai vu ici. Ça sera difficile. Nous sommes en Russie. Bienvenue en Russie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai remarqué que la vidéo que j'avais fait là où j'ai parlé plusieurs langues, beaucoup de gens ont aimé ça. Apparemment, vous aimez les concepts. Alors, je me suis dit, je vais essayer de vous reproduire la même chose. Mais cette fois-ci, pas toute seule, mais avec certaines personnes. Donc, je vais aller à la rencontre des étudiants étrangers ici en Russie. Et eux, ils vont essayer de s'exprimer aussi en russe, en anglais, en français. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, on se retrouve tout à l'heure avec les étudiants. Je vous dis vraiment, vous pouvez bien étudier en russe, mais au début, ça sera difficile. Tu vois, avec le temps, tu vas comprendre la langue et puis maintenant, vous allez bien assimiler certaines choses et puis vous aurez maintenant la volonté de bien parler. Donc les amis, je vous encourage, faites confiance juste à des personnes qui vous donnent des bonnes informations, pas des vendeurs de rêves, parce que ici, beaucoup de gens ont été dans la main des vendeurs de rêves. En plus, on te dit quelque chose que tu ne vas pas souvent rencontrer, la façon dont on te dit ici là actuellement. Ok, donc on est ensemble. My name is Jimo Farouk. I'm from Nigeria. I came to Russia to study last year October 15. And I just finished my PADFAC, that's a Russian language course. I finished in July. Voilà, sur ce sujet du racisme en Russie, arrêtez. Il y a des gens d'obri, qui veulent dire gentils, agréables. Il y a d'autres qui n'ont pratiquement pas encore vu des noirs. Et c'est la première fois, c'est pourquoi ils vont te demander, comme la plupart des gens ici, est-ce qu'on peut faire une photo s'il vous plaît? Non. My name is Jamod, I'm studying in Russia, so it's really good. Some people think about this country, it's very hard to study or living, but I think this country is really great. People are really, really nice actually. It's a cool country, also cold. It's very cold, so it's fun out here and people are very lovely. White, the Russians love black people. It's cool, not like other countries like racism or something. It's kind of limited here in Russia, but it's cool. Je suis étudiante en management en Russie, Saint-Pétersbourg. Et bah, qu'est-ce que je peux vous dire de la Russie? Franchement, la Russie, quand je suis venue, je ne m'attendais pas à ce que j'ai vu ici. Je ne m'attendais vraiment pas. Bah, déjà, le trajet vanier, qu'on appelle plus simplement la vie en Russie, qui comprend le loyer, bon, le logement, la nourriture, etc. et blablabla. C'est vraiment le... Les week-ends, lorsque j'ai pas cours, si je fais pas mes recherches, très souvent, parce que ici, les choses sont basées souvent sur les recherches, qu'on te donne pour faire des recherches. Maintenant, c'est qu'est sûr après les recherches, parce que ça sera pas toute une journée. Après les recherches, j'essaye un peu de contacter certaines personnes, des amis, et on se crée aussi des rendez-vous entre nous, des amis en fait. I have a lot of friends and they help me so much, and it's like a we have brotherhood. So yeah. Some people say about some skin color problem, no, that's it. So no, I didn't believe this thing. Thank you. Le trajet vanier. Si on peut dire, da, меня зовут Руди. А сейчас я учусь менеджмент в России. Ну, учиться в России это
чуть-чуть трудно, если ты не еще понимаю или понимаешь русский язык, да. Но через время ты будешь учиться хорошо. Я тоже, например, когда я начал, это было очень трудно. En ce qui concerne la langue, bon, ce que je veux vous dire, ce que je veux vous dire également, quand je suis venue ici en 2018, en août, j'ai compris que la langue, en fait, elle n'était pas si difficile si on s'adonnait vraiment à fond. Du coup, après 3 mois, juste après 3 mois, j'ai commencé à parler doucement, commencé à comprendre. Ça comprend. Et aussi, il faudrait que vous sachiez que dans la langue russe, il y a certains mots qui sont pareils, qui signifient la même chose en français. Comme par exemple contact, rendez-vous, exemple informatique, informatica, management. Par exemple, bon, si on rentre dans la maison, par exemple tabouret, c'est la même chose en russe. Et c'est tout simplement pour vous dire. Que la langue russe elle est quelque part similaire au français, donc vous, surtout vous qui parlez français ou qui êtes de l'Afrique francophone, vous aurez un plus contrairement à ceux qui sont anglais, qui sont anglophones, qui parlent anglais et qui parlent chinois. Pourquoi? Parce que simplement, et le portugais, l'espagnol et toutes les autres langues. Pourquoi? Parce que le français, il est bon, le russe, il est simplement similaire avec certains mots en français. Ben, pour ce qui est des études en Russie, ben, je vous conseille à 100%. Pas à 90, pas à 99, mais à 100%. Si vous choisissez la Russie pour faire vos études ou pour, pour travailler, exemple, etc., ben, n'hésitez pas, venez et on ne regrette pas. Alors, on vous souhaite soyez les bienvenus. Dobre pazalost, welcome to Russia. Welcome to Russia.